Bonjour, quoi de neuf dans la boutique? Voici une petite vidéo express pour vous montrer les dernières nouveautés arrivées aujourd'hui. Donc, nous avons des tampons de gnome. Voilà, donc ça c'est super mignon. Alors, regardez la taille de la planche. Donc, vous avez les deux gnomes, des petites taches de neige ainsi que le snow, oh, donc il neige, oh, avec les petits flocons de neige. Regardez si c'est chou. Donc, vous les tamponnez à la Stazone, l'encre qui est indélébile, et après, vous pouvez aquareller ou colorier avec des crayons, des feutres, comme vous voulez. Donc, on a également celui-ci, la liste au Père Noël. Voilà, donc il y a 5 tampons. Alors, ça peut être la newsletter aussi, vous voyez, vous avez des petites cases cochées comme ça en tampons. Voilà, ça c'est pour les gnomes. Ensuite, on a au niveau des dies chez Marianne Design cette bordure qui est vraiment longue mais qui passe dans votre machine à 5, pas de problème. Vous pouvez la recouper si elle est trop longue ou si vous avez des albums à faire. Ça fait vraiment une grande bordure de neige glacée qui est embossable, hein. Évidemment, vous la découpez une première fois, vous la repassez dans la machine avec votre tapis d'embossage et vous avez l'épaisseur des glaçons. Voilà pour ça. Est revenu en stock aussi la planche, le classeur d'embossage avec les points de neige. Alors celle-ci, voilà, c'est un classique. Moi, je l'utilise beaucoup pour mes fonds sur du papier blanc nacré ou en couleur. Vous avez aussi la bordure de pommes de pin, branches de pommes de pin à découper et à broder avec les petits points. Donc, vous passez du fil avec une aiguille d'un point. Tous les deux points, en fait, vous sautez le deuxième point. Vous allez au premier, je recommence. Vous piquez dans un premier point, vous allez dans le deuxième, vous revenez dessous dans le premier et vous sautez comme ça un point à chaque fois. Voilà, bon, tout simple. J'ai pris également ces stencils de chez Marianne Design. Donc, c'est la forme d'une cloche. Vous la dessinez, vous la posez sur votre papier. Voilà, vous n'avez pas besoin de machine de découpe. Vous la posez sur votre papier. Avec un crayon à papier, vous tracez la cloche et les différents éléments si vous voulez. Et vous les découpez au ciseau. Et vous superposez vos papiers de fond. Donc, on voit ici la cloche utilisée en fond pour faire une carte. Vous avez également dans la boutique les dies d'ours polaire. À propos, voilà, on la voit ici. Après, il y a différentes versions. Vous voyez, il y a le petit bout arrondi comme ça, c'est très joli. Donc, vous avez également ces petits catalogues si vous les voulez, je vous les mets dans les commandes au fur et à mesure que j'en reçois, mais si vous n'en avez pas, que vous en voulez, vous pouvez me les demander, je vous les mettrai dans votre colis. Après, vous avez les papiers de Noël de chez Craft Consortium, donc toutes ces teintes là, donc je vous montre. Et par contre, vous avez aussi ces teintes sur la jungle, donc c'est pas exactement les mêmes, mais vous avez d'autres bleus qui là sont intéressants si vous travaillez par exemple avec les gnomes, ça peut être sympa. Et surtout, j'ai reçu de nouveaux sequins, des nouveaux embellissements en boîte de sequins. Donc, on a des flocons dans les bleus pétrole, bleu glacier, argenté en forme de flocons et de sequins. Donc, c'est Winter Night. Voilà, vous pouvez les utiliser avec. Ensuite, vous avez ceci avec des rennes couleur rouge. Donc là, on est dans les couleurs argent pour les sequins, des petits sapins blancs et argentés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, et des sequins verts. Donc rouge, vert, argent. Ça, c'est la composition des Rainer Games. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, on a dans les mauves, bleu, pastel, blanc, argenté également. Celui-ci, c'est Plume Pudding. Alors, pourquoi il s'appelle comme ça? Je ne sais pas. Il n'y a pas de petit gâteau. C'est marrant ce nom. Vous avez plein de petits flocons en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu en plastique, d'autres en métal, des perles d'eau, des gouttes d'eau. Voilà, il y a tout un ensemble là-dedans. Vous avez aussi un autre genre de chez Pick & Fins, toujours la même marque. La danse des reines. Alors, je ne sais pas si on peut les ouvrir.
Alors, on va regarder ça. Donc ici, vous avez... Ah oui, ah, c'est sympa. Donc on a des petits sapins argentés. Après, vous avez des rennes couleur or. Vous avez... Ah oui, il y a des choses... Il y a beaucoup de choses en fait. Des rennes argentées dans des positions apparemment... sont les mêmes, des sapins, enfin là voilà, il y a plein de choses. Alors il y en a un paquet parce que je vois qu'ici là ils sont pas séparés. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a dans le paquet, des petits sapins, des jolis flocons, voilà, et des petits sequins rouges, de tailles différentes en fait, hein, au niveau des sequins également. Alors ça c'est une boîte qui en contient plus. Alors celles-ci, ces boîtes-là, vous les avez dans le rayon des divers embellissements, tandis que celles-ci, elles sont rangées dans les paillettes, etc. Voilà, c'est pas rangé dans le même rayon, bien que ce soit la même marque, mais ils ne proposent pas exactement la même chose. Voilà, bon, ça c'est pour s'y retrouver. Ensuite, vous avez au niveau de la laine bubble, ben, j'ai repris du doré, la nouvelle couleur de Noël, le rouge et le vert pour faire comme de la twine, quoi, pour faire vos embellissements, des franges, des décos autour des shakers, enfin voilà, comme vous voulez. Et n'oubliez pas, vous avez dans le rayon des bonnes affaires, par exemple chez Craft Consortium, là vous avez les tutoriels de cartes sur YouTube, dans la playlist carterie, chez Scrap Merveilleux, vous avez les collections sur la mer, Ocean Tail, de chez Craft Consortium, avec tous les embellissements comme ça et d'autres qui sont en promo en ce moment dans le rayon des bonnes affaires. Voilà, et des petites choses d'été qui passent en promotion. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, vous pouvez trouver votre bonheur. Vous avez plein d'autres choses. Voilà, au fur et à mesure, je complète ce rayon avec des choses. Quand il me reste qu'un article, par exemple, ben, je le mets dans ce rayon, pour avoir moins de références dans mon catalogue, en fait. Voilà. C'est pas forcément des vieux articles, pas du tout, puisque c'est arrivé ça il y a à peine 2 mois. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si j'ai reçu au niveau des rubans des nouveautés en ruban satin, je ne vous ai pas montré. Donc on a les couleurs traditionnelles, mais par exemple ici j'ai reçu du bleu marine, du argent, alors gris argent, c'est du satin de 9 mm et du blanc antique. Donc il est légèrement crème, c'est pas le blanc blanc blanc, hein. Le pur blanc. Les encres Distress Jean sont revenues en stock. Voilà. Quoi d'autre? Ben, je sais pas. Je vous ai peut-être tout montré. J'en sais rien. La neige, les pots de neige sont revenus en stock. Voilà. Et puis vous avez cette superbe collection de chez Prima pour Noël, Candy Lane, avec le Père Noël et les petits fants, enfin, dans des tons rouge, blanc, rose. C'est super mignon. Allez faire un tour sur la boutique. Vraiment, vous allez vous régaler. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre fidélité. Bye bye!